Pour son événement national du Salon de Paris, Peugeot exposait d'abord la version coupée cabriolet de sa 308, mais aussi quelques spectaculaires concepts hybrides. A commencer par ce futuriste, compact et écologique iMotion 3 Compressor. Entre scooter et automobile, il est mû par un 125 cm3 cumulé à deux moteurs électriques implantés dans chaque roue avant. Rejet en CO2, 47 grammes par kilomètre, voire zéro, en mode électrique seul. Lors de l'ultime manche de la Le Mans Series, Peugeot Sport avait présenté un démonstrateur 908 hybride, diesel électrique récupérant et stockant une partie de l'énergie cinétique de la voiture lors des freinages. Incontestablement, c'est celle-ci qui a inspiré ce coupé 4 portes tracé et sportif RC iMotion 4, de type hybride lui aussi. Si d'aucuns voient là les prémices du remplacement de la 407, la RC s'impose surtout comme une synthèse du plaisir automobile et du respect de l'environnement. Au cumul, ses moteurs essence et électriques fournissent 313 chevaux pour 109 g de CO2 par kilomètre. Assurément beaucoup plus proche de la série, le concept Prologue iMotion 4 est en fait la future 3008, version baroudeur de la 308. En attendant, le présent concept dispose d'un diesel 2 litres HDI et d'une propulsion électrique, le tout valant 200 chevaux et seulement 109 g par kilomètre d'émissions en CO2, voire zéro en mode électrique seul. Enfin, nous l'avons dit en commençant, la grande nouveauté Peugeot est cette 308cc, un coupé cabriolet 4 places plutôt réussi et bien équipé. Citons par exemple le chauffe-nuque et les airbags tête. Moteur 1600 THP à injection directe d'essence de 150 chevaux ou diesel HDI de 140 chevaux avec filtre à particules sont prévus pour elle. Son arrivée est attendue pour l'été 2009.